Où que vous soyez en ces temps troublés qui nous contraignent à l'isolement, que la paix vous soit donnée de la part de Dieu le Père, le Fils et l'Esprit. Jusqu'à jeudi soir, nous marcherons au rythme des pas de quatre femmes qui ont connu Jésus le Christ. Ce soir, ce seront ceux de la pécheresse qui a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Regard décalé, mise en scène, il est temps que ces femmes sortent de l'ombre parce qu'elles ont aussi été les témoins de ce chemin. Nous marcherons au rythme de mes mots, mais aussi au rythme des notes que Diego Innocenzi fera danser pour nous. Je n'ai pas de nom. Je n'existe, je ne vis qu'aux frontières extérieures de la ville, parce que c'est là qu'ils m'ont relégué. Comme cela, ils sont certains de ne jamais me croiser, parce que je risquerais de les contaminer, eux, les bien-pensants, ceux qui disent de moi que je suis une pécheresse, parce que eux savent qui est juste et qui ne l'est pas. Ils possèdent la vérité. En fait, c'est leur bien, leur propriété, leur outil de travail. Et moi, je suis une interdite de séjour dans les maisons du village et surtout dans celles des pharisiens, ces théologiens à la solde de leurs seuls intérêts personnels, méprisants, hautains, toujours prêts à occuper les premiers rangs dans les assemblées, sans se soucier de savoir s'il y aura assez de sièges pour tout le monde, et qui n'existent que par l'épaisseur de leur carnet d'adresses, leur fréquentation. Et Dieu, il est en première page de leur contact. Ils en savent tout, l'adresse, le téléphone. Elle savait qu'il viendrait depuis longtemps. Elle l'a attendu, pas comme les autres, parce que les autres n'en veulent pas, parce qu'il vient bousculer leur confort, leurs habitudes, leur routine ecclésiale. Déjà qu'il a renversé les tables des marchands du temple, il vient en plus renverser les traditions, les fondements de l'unique véritable religion. Il faudrait aimer tout le monde, dit-il, même les pécheresses, ces catins qui nous font honte. Mais elle ne s'arrêtera pas là. Elle forcera la porte du pharisien et elle pleurera sur les pieds de celui qui s'offre pour toutes et tous, afin que tous et toutes soient graciés. Elle le sait, lui, il est venu pour cela. Et elle est venue avec ses larmes et du parfum. Elle sait que ses larmes couleront pour ce qu'il devra endurer, et son parfum pour ce qui suivra, son demain, celui qu'il nous donne, un demain éternel. Heureux celui qui pense aux faibles, car au jour du malheur, le Seigneur le délivre, le garde vivant et heureux sur la terre. Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance en retournant souvent sa couche de malade. Je le sais, Seigneur, que j'ai péché contre toi. Mes ennemis se disent, quand mourra-t-il que son nom disparaisse enfin? Et si quelqu'un vient me voir, ce n'est que pour faire provision de méchanceté. Et sitôt sorti, il commence à ragoter dans la rue. Réunis près de moi, tous mes adversaires chuchotent. Ils évaluent mon malheur. Il a attrapé une sale affaire, de celle qui fait qu'une fois alité, on ne s'en relève pas. Même l'ami sur qui je comptais et avec qui je partageais le pain, même lui, a fini par lever le talon sur moi. Mais toi, Seigneur, par pitié, relève-moi. Voici à quoi je reconnais ta bienveillance. Tu m'as soutenu, remis en état et pour toujours rétabli devant toi. Béni soit le Seigneur, depuis toujours et pour toujours. Dans l'évangile de Luc, il est écrit « Un pharisien invita Jésus à manger avec lui, ce qu'il accepta. Il entra dans sa maison et il se mit à table. À ce moment-là, une femme de la ville, qui était pécheresse,
entra parce qu'elle avait appris qu'il était à table avec, dans la maison du pharisien. Elle tenait dans ses mains un flacon de parfum en albâtre. Et se plaçant tout en pleurs aux pieds de Jésus, elle se mit d'abord à les baigner de larmes, puis à les essuyer avec ses cheveux. Enfin, les couvrant de baisers, elle répandit sur eux du parfum. Voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Si cet homme était un prophète, eh bien il saurait qui est cette femme qui le touche, et il saurait ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit alors la parole et lui dit, « J'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. » Un créancier avait deux débiteurs. L'un lui devait 500 pièces d'argent, et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les deux. Alors d'après toi, lequel des deux l'aimera le plus ? L'homme répondit, « Je pense que c'est celui auquel il a fait grâce de la plus grande dette. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Et se tournant vers la femme, il dit aux pharisiens, « Tu vois cette femme ? « Je suis entré dans ta maison parce que tu m'y as invité, mais toi tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, alors qu'elle, elle a baigné mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Toi tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle n'a pas cessé de me couvrir les pieds de baisers. Toi tu n'as pas répandu d'huile odorante sur ma tête, mais elle, elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le déclare, ses péchés ont été pardonnés, parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. » Et il dit à la femme, « Tes péchés ont été pardonnés. » Les convives se mirent alors à se dire en eux-mêmes, « Mais qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ?» Et Jésus, se tournant vers la femme, lui dit, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » J'ai vu que la porte n'était pas fermée. Alors j'en ai profité, je suis entré. Cela faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. Je savais qu'il allait arriver. Dans ma religion, celui dont on ne prononce pas le nom ne choisit que des hommes comme prophètes, comme si la profession était réservée au mâle. Mais moi, un ange m'a parlé. Comme à l'autre, vous savez, à sa mère, Marie. Et l'ange m'a dit qu'il viendra bientôt, maintenant. Alors, je me suis préparé. Longtemps, j'ai gardé mes larmes au-dedans de moi, les réservant pour lui, comme le parfum dont je voulais depuis longtemps lui oindre la tête. C'est pour moi une manière de lui dire ma foi en lui dire tout ce que j'espère de lui. Non pas seulement pour moi, mais pour toutes celles qui souffrent de n'être que femmes, pécheresses, coupables de tous les maux, de toutes les chutes, surtout la première, méprisées, abandonnées, battues, frappées, couronnées d'épines comme lui le sera après-demain. Je le sais, car il doit mourir pour que je vive, pour que nous vivions. Car je ne saurais être seul à vivre. C'est pour cela que j'ai réservé mes larmes pour ses pieds, comme un signe d'humilité, comme il le sera, humble devant ses disciples au moment du dernier repas. Mais j'ai gardé mon parfum le plus précieux pour sa tête, pas pour l'embaumer, parce que je crois qu'il reviendra. Il l'a promis, il l'a dit à ses disciples. Moi je le crois, il ne ment pas. D'ailleurs, il a toujours dit la vérité, parce qu'il est la vérité. Non, le parfum, c'est ma manière de lui rendre grâce, pour ces quelques mots qu'il m'a adressés. Juste quelques mots, mais de ces mots dont le poids allège. Il m'a dit, comme aux deux autres, mes compagnes de douleur, celle qui est devenue la bonne samaritaine et l'autre anonyme, il m'a dit, va, ta foi t'a sauvée. Ce qui me sauve,
c'est que j'ai pu m'agenouiller devant lui, afin de lui baiser les pieds, après les avoir mouillés de mes larmes, puis les sécher avec mes cheveux. Ce qui me sauve, c'est qu'il m'a relevé, comme il se relèvera dans quelques jours. Et vous, devant qui êtes-vous prêt à vous agenouiller? Prions. Te confions ceux et celles que nous aimons, ceux qui occupent une place si particulière en notre cœur, une bonne partie de notre tête aussi. Nos pensées, nous te les confions parce que nous les aimons, comme nous nous remettons entre tes mains. Mais tu nous invites aussi à remettre les autres, à te les confier, parce que eux aussi ont été créés à ton image. Alors, nous te les remettons. Aide-nous à nous agenouiller comme signe d'humilité, simplement reconnaissant ta grandeur, mais aussi notre fragilité. Amen. Vivons dignement, en paix, parce qu'il nous en donne la possibilité, lui qui est le Fils de Dieu le Père, et qui bientôt nous enverra son Esprit. Allons avec sa paix, chargé du parfum que nous verserons sur sa tête. Allons, tels des prophètes. Amen.